En termes de drama et de clash, j'en ai vu des trucs un peu bizarres. Mais aujourd'hui, c'est Rima Hassan versus Pierre Perret. C'est inattendu quand même un peu. Et quand même, c'est quand même un peu inattendu, hein. Attention, please. D'ailleurs, il a quel âge Pierre Perret? Parce que il était déjà vieux quand j'étais jeune. Bon, on va pas vous présenter Pierre Perret. Normalement, vous êtes censés tous connaître Pierre Perret et tout ce qu'il représente pour la France, pour la culture, l'art, les poésies, les poèmes. Il n'y a pas même des écoles à son nom. Alors qu'il ne s'était jamais engagé politiquement. Il est complètement con, qui c'est qui écrit ça? Jean-Marc Morandini. Je veux dire, tu. Ah. On va pas s'arrêter à toutes les phrases. Pierre Perret a publié hier quelques lignes écrites avec talent contre Rima Hassan. Il y dénonce la violence et la haine véhiculées par la candidate de la France Insoumise. Un poème qui a semé la panique sur les réseaux sociaux parmi les membres de la LFI, parmi les soutiens au Hamas qui n'ont pas eu de mots assez durs, voire d'insultes violentes contre le chanteur. Pierre Perret a été accusé d'être raciste. J'ai une Pierre Perret qui est... Je pense que toute sa vie était de gauche. Se fait accuser d'être d'extrême droite. C'est là que tu vois l'ultra-extrême gauche woke, elle est partie vraiment loin quand même. Et que dit vraiment Pierre Perret? Voici le texte qu'il a publié en intégralité sans aucun commentaire supplémentaire, mais avec simplement une photo de lui sur fond noir. Il dit: Mes fidèles loulous, attention. En plus, apparemment, c'est un abonné de Villebrequin, enfin de Feu Villebrequin. Mes fidèles loulous, attention, oyez en grande précaution les folles élucubrations d'une passionnariat en carton. Sais-tu pourquoi Rima Hassan, en tes veines dépourvues de sang, circule un jus nauséabond? C'est parce qu'il n'est que du poison. Le chant des partisans, Lily, tous ces poèmes ont fait le lit de ceux qui combattent la haine, qui met ce sang noir en tes veines. Tu crois faire de la résistance? Tu ne résistes qu'à l'intelligence, celle du cœur dont tu ignores le lien, et ton combat ne rime à rien. Eh B, quand même chargé, hein. Ouh, c'est quand même chargé. On va regarder un peu les réactions. Tiens, juste pour le fun, on va en faire une musique, pourquoi pas. On met quoi comme style? Je sais pas, attends, attends. Rime à rien, et on va mettre en style du bluegrass. J'aime bien, j'aime beaucoup le bluegrass. Hein. Mon problème, c'est que j'écoute. On va mettre en bluegrass. En bluegrass, upbeat. Parce que ça va donner, on verra bien. S'il accepte, parce qu'il y a quand même des paroles qui sont un peu violentes. Dans les réactions. Quand j'étais petite, le poème de Lily m'avait bouleversé. Ma maman chilienne a fui la dictature de Pinochet. Ça faisait écho à son histoire. En fait, Pierre Perret était un facho. Merci, monsieur Perret. Perret, le gauchiste dépassé par les extrêmes gauchistes, ça c'est quand même balèze. Il y a encore des gens vivants qui ont envie de connaître l'avis de Pierre Perret, c'est de la merde. Il y a une citation, je ne sais plus d'où elle vient, si vous avez la référence, n'hésitez pas à me la remettre. Il y a une citation qui dit quelque chose comme est-ce que tu veux vivre en héros, mourir en héros ou vivre assez longtemps pour devenir le méchant? Un truc comme ça. Rima Hassan, en tes veines dépourvues de sang circule un jus nauséabond. Pardon? Je vous rappelle qu'elle défend le Hamas et tout le bazar et elle est en collusion avec le FPLP et plein de trucs. Donc, c'est tellement atroce, le racisme ne se cache plus. Alors, je ne sais pas où est le racisme là-dedans, mais bon. Étonnant et excellent Pierre Perret. Oui, cette candidate est un danger pour le vivre ensemble et qu'une partie de la jeunesse ne la voit pas et décevant. Lily était une douce et simple femme d'amour. Rima Hassan est une femme de haine, pas fan de Pierre Perret. Je lui ai dit en face, à Lyon, dans les bouchons où il se produisait dans les années 70. Les mecs, ça fait 50 ans qu'ils détestent Pierre Perret. Moi, franchement, moi, je déteste la PlayStation, mais ça va, j'ai encore du chemin. Oh la vache! Pierre Perret, et mes excuses de vous avoir mal jugé, je revenais de la guerre. 50 ans, hein. 50 ans pour des excuses, comme quoi. Mieux vaut tard que jamais.
Je soutiens Mélenchon, plutôt mourir. Je soutiens Zemmour, non plus. Je soutiens Macron, jamais. Je soutiens LR, il y en a encore. Je soutiens RN, 40 ans de foutage de gueule. Bon, je vais soutenir une salle de cinéma histoire de faire un truc utile. Je suis fatigué. PS RIP, LFI nazi. Monsieur Père Perret est un génie, un visionnaire et un humaniste. Un vrai, lui. À jamais. Et Pierre Perret, d'ailleurs, a supprimé ce tweet. Ça, c'est son tweet. Il n'avait pas supprimé, d'ailleurs. J'ai vu des infos comme quoi il l'avait supprimé. Ah oui, c'est ça, il a supprimé ce tweet. Il a supprimé ce tweet-là. Mais du coup, il a remis une attaque derrière. Vous allez voir, il a remis un taquet derrière. Que voilà, une magistrale fessée administrée avec talent, l'imposture et la haine se conjuguent dorénavant au féminin et on trouve leur incarnation ultime en la personne détestable de Lady Gaza. Ah, pas mal le jeu de mots. Pas mal le jeu de mots. Merci au grand artiste de vous demeurer, mon cher Pierre Perret. Israël en guerre, en cette journée de commémoration du 80e anniversaire du débarquement, allié en Normandie, les mots toujours aussi justes de Pierre Perret résonnent très fort. Ne laissez pas la bête immonde renaître de ses cendres. Du coup, Pierre Perret a supprimé ce tweet, mais il en a rajouté une couche. Il dit ceci. Mes petits loulous antisémites, il y a mal donne. D'abord, si vous êtes antisémite, raciste, vous ne pouvez pas faire partie de mes loulous. Après avoir écrit des chansons telles que Ferdinand, Lily ou La bête est revenue, j'ai eu l'honneur, moi qui me tamponne des honneurs, de me voir attribuer par deux fois le prix de la LICRA, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Et ils offrent des prix, la LICRA? C'est quoi, c'est genre un peu comme les Oscars et... Mes chansons sont apprises depuis longtemps dans un tas d'écoles qui portent mon nom. Ah oui, donc il y a eu bien des écoles, Pierre Perret. Non, on n'y apprend pas la haine. Non, on n'y glorifie pas non plus les bombardements de pauvres gens. Pas plus que le carnage du 7 octobre perpétré par des courageux barbares, amis de la grande résistante Rima Hassan. Désolé. Adieu donc mes faux loulous et ne perdez plus votre temps à écouter des chansons que vous ne comprenez pas. Les personnes qui disent... MDR, moi qui me tempête des honneurs, après il nous déballe les médailles en carton. Hier, c'était Rima Hassan en TVN dépourvu de sang circule en jus nauséabond. Aujourd'hui, c'est Barbare du 7 octobre, ami de la résistance Rima Hassan. T'as pas fini de dire des horreurs racistes et diffamatoires. La haine sera désormais associée à ton nom. Il est où le racisme, en fait, dans ce qu'il dit? C'est un truc de dingue. C'est l'attaque. Je suis islamophobe. Je suis raciste. Dès qu'ils n'ont pas d'argument ou de contre-argument à donner, c'est quand même balèze. Quand tu es repris par l'extrême droite identitaire, il faut se poser des questions tout de même. J'adore votre nouvelle version de Lily, Monsieur Perret. J'ai hâte de découvrir votre nouvelle version du Zizi chanté par Guillaume Meurice. Vous êtes merveilleux. Il fait pas consensus. Hein. Il fait pas consensus. Pierre Perret rentre dans le game. C'est quand même balèze. Hein. C'est quand même balèze. C'est quand même balèze. S'il nous a sorti Suno, d'ailleurs, juste pour le fun, alors. Il nous a sorti quoi? En Bluegrass Upbeat. Des folles, des lucubrations, passionnariat en carton. Sais-tu pourquoi Rima Hassan en tes veines dépourvues de sang? Ah merde! Un jus nauséabond, c'est parce qu'il n'est que du poison. Le chant des partisans, Lily, tous ces poèmes enferment le lit de ceux qui combattent la haine. Qui met ce sang noir en tes veines? Faire de la résistance, tu ne résistes qu'à l'intelligence, celle du cœur dont tu ignores le lien. Ouais. Et ton combat ne rime à rien. Et ton combat ne rime à rien. Et un truc à la française, on peut faire un truc à la française? Je sais pas. Ah si, je sais, attends, je sais ce que je vais reprendre comme prompt. Dans mon deuxième album, d'ailleurs le deuxième album arrive bientôt sur Spotify, dans le deuxième album il y a Maîtrise d'Excel, et je peux peut-être reprendre, il est où? Là, Acoustic Folk French, c'est ça. On va réutiliser le prompt, et on va mettre les paroles de Pierre Perret. Rima Folk. On va voir ce que ça va nous donner, ça peut être cool. Alors c'est quoi la deuxième position en bluegrass? Ah bah tiens, on a l'acoustique française qui arrive là. On va voir si ça va être cool.
Gros suspense. Mes fidèles loulous, attention. Les folles élucubrations d'une passionnariat en carton. Sais-tu pourquoi, Rimasan? En tes veines dépourvues de sang circule un jus nauséabond. C'est parce qu'il n'est que du poison, le chant des partisans lit. Tous ces poèmes en pirate métal, ça passera mieux, je pense. De ceux qui combattent la haine, qui met ce sang noir en tes veines. Tu crois faire. Ça va, bon, bref. Fidèle, le lourd, attention. J'adore ce mot, de toute façon, vous avez compris, je pense. Mouillés en grande précaution. Les folles élucubrations d'une passionnariat en carton. Sais-tu pourquoi Rima Hassan, en tes veines dépourvues de sang, pas terrible. C'est pas mon style de musique aussi. C'est vraiment pas mon style de musique. En bluegrass, c'était pas mal. La première en bluegrass, je vais peut-être me la garder. Chant des partisans. Bon, Rima Metal, et puis on va se quitter là-dessus. Et vous, Pierre Perret, vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi de la prise de position de Pierre Perret? Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Un pour les grands. Oh, pas mal. Tous ces poèmes ont fait le lit de ça qui combattent la haine, qui laisse ce sang noir en tes veines. Tu crois faire de la résistance, tu ne résistes qu'à l'intelligence. C'est du cœur où tu gardes le lien et ton combat ne rime à rien. Eh ben celle-là je la garde, celle-là je l'aime bien. Là non, c'est trop violent. Mais l'autre elle est très cool. Très très cool. Bref, sur ce, on va se terminer en musique. Et à bientôt pour d'autres aventures. Die, Sakhodale!